un mot que des esprits égarés ont dérobé pour en pervertir tout le sens et toute la noblesse. Mon amie algérienne me dit, pour moi, c'est profondément un mot d'amour. Un mot pour quelque chose qui est plus grand que moi, plus grand que nous. Dieu est grand. Je le dis à genoux 5 fois par jour, pour prier pour tous les enfants de la planète, me ressourcer, croire à la paix. Et elle rajoute, nos ennemis à tous ont fait un cri de guerre et de massacre. C'est une trahison terrible. On traîne dans la boue, dans le sang, ce qui pour moi reste un mot d'amour, de fraternité, d'humanité. C'est elle qui nous a donné la confiance d'écrire cette chanson. C'est en ce mot de tant d'amour que l'on te blesse et te ravage et te meurtrit. Toi, tu le dis dans tes prières, ils en ont fait un cri de guerre, mais pour toi, c'est ta manière de dire merci. Allah Akbar, grande est la vie. Et si on veut ensemble. Et si l'on veut ensemble désobéir aux forces du mal qui triomphent chaque fois un peu plus quand nous nous divisons, nous nous séparons, barricadés dans nos peurs, quand nous nous trompons d'ennemis, cette victoire de nos intelligences est sans doute possible. Ma sœur musulmane est pour toi, ma sœur athée, chrétienne, juive. Nous chantons le rêve que peuvent porter les chansons, cette intelligence qui peut vaincre les mensonges et la peur. Ma sœur musulmane, marchons 1000 fois, marchons, chantons, marchons 1000 fois. Toi qui m'as dit que chaque jour tu pries 100 fois, toi qui te mets la main à genoux pour dire ta foi, pour chaque enfant de chaque amour, d'où qu'il en vienne, où qu'il en soit. Sorella musulmana, bene ti chiamano cristiana, come straccia il dolore piano piano, come straccia il dolore, io sono venuto a porgli a mano. C'è dans ce monde tant d'amour che l'on trahit, che l'on te blesse e te ravage e te meurtrit, ce mot du cœur hurlant la peur.
chaque amour, d'où qu'il en vienne, où qu'il sera. Ma sœur musulmane, que l'on trahit, que l'on profane, pour un amour qu'elle nous donne, les souverains. Aussi longtemps que l'on vivra, si Dieu le veut, marchons. Si longtemps que l'on y va, si Dieu le veut, marchons. La non-violence serait une utopie. On nous a dit on ne peut rien faire. L'homme est violent par nature. Chacun nous disait que la non-violence serait impossible, que rien ne prédispose des jeunes de banlieue, des Basques, des Corses, des enseignants, des universitaires, des gens du football professionnel à se former, à cultiver la non-violence. À Saint-Denis, à Bastia, à Marseille, à Montreuil, à Genève, à Bruxelles, à Brest, à Montauban ou ailleurs, à Rodez comme hier, avec la fondation de Corse Humani que vous êtes quelques-uns et quelques-unes à soutenir, et merci pour ce précieux soutien. Nous avons lancé il y a 7 ans un programme « Devenons artisans de la non-violence », comme on se jette de l'inconnu. Il a touché à ce jour plus de 30 000 personnes. Ces 2 dernières années, je suis allé personnellement plus de 320 fois dans des collèges, des lycées, des universités, des prisons, parler de non-violence. Et chaque fois, j'ai vu des yeux briller, des consciences transformées dans la découverte et l'apprentissage de la non-violence. Ce sont ces investissements-là qui nous intéressent, ne pas nous soumettre à cette violence quotidienne qui nous empoisonne et que l'on nous vend, car la violence est un marché. Mais la violence a perdu, elle désenchante les cœurs, les mondes et les luttes. Et si nous voulons réellement prévenir les bataclans, les colères désespérées, les tragédies de demain, ce sont ces armes d'instruction massive qu'il nous faut ensemencer. J'ai le bonheur de vous présenter cette revue alternative non violente qui est cette fois dédiée à la Corse. Ce sera un plaisir de vous le signer tout à l'heure si le cœur vous en dit. La non-violence ne promet pas le paradis, mais nous équipe pour la vie, pour être plus fort, renverser le mensonge et l'injustice. Asia, ce mot basque qui veut dire la graine. Elle est dans la terre, la graine. Elle ne voit pas la lumière, mais elle y croit. Vous pouvez vous aussi allumer vos petites portables comme on allumerait des lucioles pour que grandisse cette graine-là. Tu vas grandir, tu vas fleurir. Asia. Asia. Yeah.
Fernando.